C'est parce que leur établissement tombait en ruine qu'un groupe d'anciens élèves d'un collège de Sayada a décidé de le réfectionner. Leur association est basée en France, mais ils ont profité du confinement et des vacances scolaires pour lancer un appel aux dons et agir pour leur ville natale, explique leur coordinateur Mejdi Jeguiri. Nous avons découvert le collège avec deux salles fermées pour risque d'effondrement. Et on a trouvé également deux laboratoires. Ces deux laboratoires étaient dans un mauvais état avec des fissures au plafond. Du coup, on a décidé de réagir. On savait que le contexte économique était complexe et que l'État n'avait pas les moyens de réparer ces édifices publics. On a décidé de lancer une cagnotte en ligne au mois de mars. Au bout d'un mois, on a pu collecter 15 000 euros avec des dons qui sont venus de la France essentiellement, mais également des dons de Sayadia au Canada, des Sayadia au Qatar et partout dans le monde. Et après avoir commencé ces travaux, des dons en dinars sont arrivés en Tunisie. Également, on a eu beaucoup de dons en nature. On a poursuivi les travaux et on a pu rendre l'établissement dans un état qui était agréable pour les élèves à la rentrée. L'association Sayada Solidaire publie toutes ses factures sur les réseaux sociaux dans un but de transparence. Elle compte désormais se lancer dans d'autres projets participatifs contre la pollution du littoral ou pour l'emploi dans la ville. Si vous voulez les soutenir, vous pouvez les contacter sur leur page Facebook Sayada Solidaire.